Eh bien bonjour à tous, c'est Castellix et aujourd'hui on se retrouve sur Warframe pour vous présenter Oberon complètement pété. Le même build que j'ai mis aussi à Nova. Donc voilà, c'est pour vous faire voir un petit peu ce que vaut Oberon. C'est vraiment une des meilleures Warframe, ça y a pas à chier. Donc regardez. Voilà, donc ça c'est mon build. Donc j'ai mis la redirection. Donc pour le moment il a été format 4 fois comme vous pouvez le voir. Un cinquième format sera nécessaire puisqu'il faut que je mette mon fibre d'acier, colère aveugle, expertise éphémère et redirection à fond. Donc vous voyez, j'ai viré les deux spells, j'ai changé mon aura qui à la base est steel charge, je crois. Hein. Donc j'ai changé en siphon d'énergie, c'est indispensable. On garde simplement le heal et l'ulti, le jugement. Donc voilà. Sinon, je vais vous faire voir rapidement aussi sur Nova. Sur Nova, voilà, donc c'est exactement le même build. Enfin, exactement le même, non, puisque là j'ai viré ces trois spells, j'ai gardé que le dernier, l'amorce moléculaire. Et donc là vous pouvez voir que c'est identique, sauf que là j'ai mis équilibre. Puisque bon, vu qu'il n'y a pas énormément de boucliers ni de santé, autant mettre un équilibrium, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, donc sinon j'ai le Burstone, donc le Burstone qui est rang 22 déjà, hein. Oui ça va vite, hein. Donc j'ai mis de la dentelure, de l'impact d'ailleurs, pourquoi j'ai mis de l'impact je sais plus. Ouais on peut y jouer aussi pas mal sur le tranchant, ce qui est plutôt sympa. Là j'ai pris le Braque parce que le Braque j'aime toujours aussi bien, et le Glaive Prime que je n'avais pas, donc là du coup il est rang 29, donc là j'ai mis ce petit mode comme ça. Voilà, donc on va se faire une petite partie sur une défense, hein. On va aller sur Xini pour changer. Donc on va aller se faire Xini, hop là, parti, hop, Xini, donc on va faire une petite partie directe. Bon, il n'y a personne, c'est pas grave, on va essayer de faire l'host. Et vous allez voir que bah, l'ulti d'Oberon, il fait très mal, surtout avec le build actuel. Un très très bon build. Bon bah déjà il y a une Nova. Ah bah c'est moi, je suis con. Oh putain, bon. Je vais vous faire voir Oberon, je vous mets Nova. Quel... Pop. Ah ça c'est du Castellix, du grand Castellix. Alors, hop, on change, tac. Et voilà, donc vous voyez il est beau, hein. Qu'est-ce qu'il est beau. En couleur prime et tout, il est vraiment joli. Ouais. Il a ses sabots aussi là, sur les mains, c'est mignon. Enfin là vous voyez la petite forme de sabot. Donc voilà, donc vous avez châtiment, bénédiction terrestre, renouvellement et jugement. Donc le châtiment, ce qui vous envoie en fait de l'énergie qui exorcise l'énergie négative de l'ennemi et qui les projette comme des orbes d'énergie cinétique, ce qui endommage tous les ennemis touchés par ces orbes là justement. La bénédiction terrestre, donc c'est un sol, un sol électrique qui inflige des dégâts à tous les ennemis qui se trouvent dedans. Enfin c'est plus des flammes, hein, mais bon. Évidemment le heal qui est indispensable sur cette frame, vague d'énergie, de soins s'écoulant vers Oberon et ses alliés, voilà. Donc vous voyez des petites énergies qui traversent tous les murs. C'est assez marrant pour heal tout le monde autour. Et le dernier qui est le jugement. Donc là vous allez le voir, ça soulève les ennemis dans le ciel et ça les projette au sol. Je peux vous dire que là, celui-là, il fait pas de détails, quoi. Ça, c'est... Il calme tout le monde. Eh oui. C'est la puissance Castellix. Alors, bref. On va arrêter les conneries. Bon, échec de la mission, évidemment. On est parti sur Xini. Il y a Azerty qui nous a rejoint. Azerty a un gars du clan Canard PC. Hein. D'ailleurs, on va essayer... d'inviter Fred. Freddy. Comme on dirait. Allez Fred, comme. Voilà. Moins 3-3. Oh, il fait chier le Fred. Reviens ici. On va lui dire, reviens. Il va pas vouloir revenir.
Il est timide, Fred, c'est pour ça. Un clan, hein, du. Un gars du clan Canard PC aussi. Hein. Mais Fred, non, il ose pas, il veut pas. Il a peur. Donc lui aussi, il a Oberon, hein, évidemment, enfin beaucoup de long. Mais voilà. Là, voilà, il me demande si j'ai déco Mumble. Hop là, c'est parti. Ouais, mais Fred, je peux pas me reco, je suis désolé. Je présume qu'on est déjà à 3. Bon, on va essayer de le réinviter, le Fred là. C'est clair. Fred, t'es chiant. Dans le clan. Alors, Fred. Allez vite, Fred, avant qu'il n'y ait plus de place. Bon. Pas l'air de vouloir s'activer, hein. Il fait peur, lui. Ah, voilà Fred. Merde. Je ne suis pas dans le bon canal. Alors, du coup, je suis désolé, je pourrais pas vous faire voir les deux premiers spells, parce que bon, bah, effectivement, je les ai supprimés, mais. Et voilà, vous avez vu ça? Ah ouais, c'est du Castellix, c'est ça. Ah, voilà Fred, on va le faire chier un peu. Voilà Fred, avec son petit 3, voilà, sacré Freddy. Allez, on en refait une. Ah, ah, j'adore. Ah, Fred il est heureux, vous avez vu, il fait un petit sourire, il est content. Fred est joyeux. Alors, donc voilà, pour ceux qui sont touchés un peu. Ah, regardez ça. Ça c'est mon heal. Mais qui sert à rien au final, puisque. C'est gros craquage d'ailleurs. Ils font chier avec leur crash. Ah, Fred a crash. Mais Fred est pas content. Il est un peu en colère, Fred. Donc le glaive prime, hein. Ah, il est chiant. Le plus long, c'est quand il revient pas. Donc là, le burstone, hein, vous avez vu, voilà. Ah, il tranche un bouclier là quand même. Hein. Bon, là il me saoule. J'adore. Alors là. Oh. En même temps, ma vie elle est à fond donc voilà, c'est pour ça que ça marche pas. Faudrait que je me fasse vraiment shooter quoi. Mais bon, vous voyez, voilà, c'est. C'est vraiment une frame. Moi au départ quand j'ai vu qu'elle allait sortir, moitié paladin, je sais pas quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et soit c'est super bien, soit c'est tout pourri. Alors là je vais me faire niquer un peu, voilà. Allez, défonce-moi. Non, j'ai pas envie. Boum. Vas-y, ils veulent pas. Ils veulent pas me faire du mal. Donc c'est dommage parce que là du coup je peux pas vous faire voir le numéro 3. C'est un petit peu dommage. Enfin bon, vous le testerez, hein. Donc Oberon, il lui faut absolument un réacteur. Et puis collez lui au moins 4 formats, vous avez, comme vous avez pu le voir sur le build. Mais le 5ème, voilà, vous aurez quand même un build plutôt sympa et correct. Il y en a qui sont pas trop convaincus comme Monsieur Fou. Du clan me dit qu'il est pas très convaincu de l'armure, mais bon, moi je pense que c'est sur une frame comme ça, c'est indispensable. Donc bon, après, hein, chacun voit comme il a envie de
sa warframe, mais sincèrement là j'essaie de. Là je vous présente ce but, c'est vraiment parce que c'est vraiment un but qui tient la route, qui est équilibré. Et voilà, ça mérite. Donc bah écoutez, bah ils veulent tous continuer mais moi je veux pas continuer puisque bon la vidéo sinon va durer une demi-heure. Donc et ben on va s'arrêter ici. Et je vous dis à bientôt, j'espère que vous aurez apprécié, n'oubliez pas de commenter, de liker, et surtout, bah voilà, hein, de me dire aussi ce que vous proposez, hein. On peut trouver sûrement un meilleur build, j'en sais rien, mais voilà, voilà, voilà. Donc je pense que je vais quand même lui coller le cinquième format, bon en plus j'en profite, j'ai le double XP, vous voyez, donc voilà, donc autant en profiter tout de suite. Donc on quitte cette petite session. Donc je vous refais voir ce build, le build qui est là, amélioration. Donc voilà, donc vous voyez, redirection, faut que je le finisse. Steel Fiber, fibre d'acier, faut que je le finisse aussi. Expertise éphémère qui est indispensable aussi, puisque bon, ça ne touche pas à la durée de pouvoir, puisque le heal et le jugement ne sont pas sujets à ce genre de choses. C'est pour ça qu'il est très utile, puisqu'on a viré ces deux spells ici. Sinon évidemment le spell numéro 2 serait touché par ça, mais bon il nous sert pas à grand chose. Enfin après voilà, hein, comme je vous dis, chacun voit comme il veut. Mais voilà, je pense que là c'est vraiment un très très bon build, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Mon Steam, je tiens à le rappeler, c'est Nunus44, je vais vous l'écrire aussi. N'hésitez pas à me rentrer dans Steam ou dans Warframe qui est Castielix, mon pseudo. Voilà, voilà, allez je vous dis à bientôt mes petits samouraïs, c'était Castielix, ciao ciao.